il y avait dans la rue une vieille, vieille maison. Elle avait presque 300 ans. On pouvait le lire sur la poutre où l'on avait gravé la date, au milieu de tulipes et de tiges de houblon sculptés. On y avait gravé aussi des versets entiers de la Bible, dans la vieille orthographe d'autrefois. Et au-dessus de chaque fenêtre, on apercevait un visage grimaçant sculpté dans le linteau de bois. Le premier étage s'avançait loin au-dessus du rez-de-chaussée. Et juste sous le toit, il y avait une gouttière de plomb à tête de dragon. L'eau de pluie était censée s'écouler de sa gueule, mais en réalité, elle coulait de son ventre, parce qu'il y avait un trou dans la gouttière. Toutes les autres maisons de la rue étaient neuves et propres, avec de grandes vitres et des murs lisses. On voyait bien qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec la vieille maison. Elle pensait indubitablement « Combien de temps encore cette horreur va-t-elle se donner en spectacle dans notre rue ? En plus, les pièces en saillie avancent tellement qu'elles bouchent entièrement la vue de ce côté. On ne peut rien voir de ce qui se passe depuis nos fenêtres. L'escalier est aussi large que celui d'un château et aussi haut qu'une tour d'église. Et la rampe de fer, on dirait la grille d'un vieux caveau funéraire. » Et ces boules de laiton qu'il y a dessus, c'est d'un goût. De l'autre côté de la rue, il y avait aussi des maisons neuves et pimpantes qui pensaient exactement la même chose. Mais, dans celle qui se trouvait juste en face de la vieille maison, il y avait à la fenêtre un petit garçon, aux joues roses et fraîches, aux yeux clairs et brillants. Lui, il trouvait la vieille maison vraiment très bien, au soleil, comme au clair de lune. Et quand il contemplait le vieux mur dont la chaux était partie, les images les plus étranges défilaient devant ses yeux. La rue, exactement comme elle avait été autrefois. Avec ses escaliers, ses étages en encorbellement et ses pignons pointus. Il voyait les soldats avec leurs hallebardes, les gouttières à tête de dragon et de licorne qui couraient sous les toits. C'était vraiment une maison qui valait la peine d'être regardée. Un vieux monsieur y habitait. Il portait une culotte de velours, une redingote avec de gros boutons de laiton et une perruque, dont on voyait bien que c'était une vraie perruque. Tous les matins, un vieux bonhomme venait chez lui pour faire le ménage et les commissions. À part cela, le vieux monsieur en culotte de velours était tout seul dans sa vieille maison. De temps en temps, il allait à la fenêtre et regardait derrière la vitre. Alors, le petit garçon lui faisait un signe de tête. Le vieux monsieur faisait un signe de tête à son tour. Et ils se saluaient comme de vieilles connaissances. Ils étaient amis, bien qu'ils ne se soient jamais parlé, ce qui n'avait d'ailleurs aucune espèce d'importance. Le petit garçon entendait ses parents dire « Le vieux monsieur en face a l'air de ne manquer de rien, mais il est terriblement seul !» Un dimanche, le petit garçon prit quelque chose qu'il emballa dans un morceau de papier. Il descendit à la porte et quand l'homme qui faisait les commissions passa, il lui dit « Dis, est-ce que tu veux bien apporter cela au vieux monsieur de ma part? J'ai deux soldats de plomb, en voici un pour lui. Je sais qu'il est terriblement seul. » Le vieux domestique eut l'air très content. Il hocha la tête et emporta le soldat de plomb dans la vieille maison. On vint ensuite demander de la part du vieux monsieur si le petit garçon n'avait pas envie de venir lui-même rendre visite. Les parents donnèrent leur permission. Et il se rendit en face, dans la vieille maison. Les boules de laiton sur la rampe de l'escalier brillaient bien plus que d'habitude, à croire qu'elles avaient été astiquées pour l'occasion. Et on aurait dit que les joueurs de clairons sculptés
car il y avait des joueurs de clairons sculptés dans le bois de la porte parmi des tulipes, on aurait dit que les joueurs de clairons soufflaient de toute leur force. Leurs joues avaient l'air bien plus gonflées qu'avant. Oui, ils soufflaient. Taratata ! Le petit garçon arrive ! Taratata ! Et la porte s'ouvrit. Tout le vestibule était rempli de vieux portraits. Des chevaliers en armure et des dames en robes de soie. Et les cuirasses bruissaient et les robes de soie bruissaient aussi. Et puis, il y eut un escalier qui montait pas mal de temps, puis qui redescendait un peu, et l'on arrivait sur un balcon. Bien sûr, il était très fragile, avec de gros trous et de grandes fissures. Mais l'herbe et le feuillage y poussaient partout. Il y avait tant de verdure sur tout le balcon, dans la cour et sur les murs, qu'on aurait dit un jardin. Mais c'était juste un balcon. Il y avait là de vieux pots de fleurs qui avaient un visage ainsi que des oreilles d'âme. Les fleurs poussaient comme elles voulaient. Dans un des pots, les œillets débordaient de tous les côtés, ou plus exactement leurs feuilles, et on entendait distinctement les pousses murmurer « Le vent m'a caressé, le soleil m'a embrassé et m'a promis une petite fleur pour dimanche. » Une petite fleur pour dimanche. » Puis, ils pénétrèrent dans une chambre dont les murs étaient tapissés de cuir de porc avec des fleurs d'or imprimées dessus. La dorure meurt. Le cuir demeure, disaient les murs. Il y avait là des fauteuils à haut dossier sculptés avec des bras des deux côtés. « Assieds-toi, assieds-toi » disait-il. « Oh, oh, je craque de partout, voilà que j'ai des rhumatismes, comme les vieillards noirs, des rhumatismes dans le dos. Oh, oh. » Puis le petit garçon entra dans la salle à la fenêtre en saillie, où le vieil homme était assis. « Merci pour le soldat de plomb, mon petit ami, » dit le vieux monsieur. « Et merci de venir me voir. » « Merci, merci, crac, crac !» disaient tous les meubles. Il y en avait tellement qu'ils se gênaient mutuellement et s'empêchaient de voir le petit garçon. Au milieu du mur était accroché un tableau représentant une charmante dame, jeune et l'air joyeux, mais habillée tout à fait comme dans l'ancien temps, avec les cheveux poudrés et des habits empesés. Elle ne dit pas « merci !» ni crac, mais regarda de ses yeux doux le petit garçon, qui demanda aussitôt au vieil homme « Où l'as-tu eu ?»« Chez le brocanteur. Il y a beaucoup de portraits, des gens qu'on ne connaît pas, et dont personne ne se soucie plus. Ils sont tous enterrés depuis longtemps. Mais elle, je l'ai bien connue. Elle est morte maintenant, depuis plus d'un demi-siècle. » Sous le portrait, il y avait un bouquet de fleurs séchées sous verre. Elle semblait tellement vieille qu'elle devait bien avoir un demi-siècle, elle aussi. Le balancier de la grande horloge allait et venait. L'aiguille tournait. Et tout se faisait de plus en plus vieux dans la pièce, sans qu'on s'en rende compte. « On dit chez nous que tu es terriblement seul, » dit le petit garçon. « Oh, j'ai mes vieux souvenirs pour me tenir compagnie. Et puis maintenant te voilà, tout va bien. » Il descendit de l'étagère un livre d'images. On y voyait de grands cortèges, avec des carrosses extraordinaires, comme on n'en voit plus de nos jours. Des soldats qui ressemblaient à des valets de trèfle et des bourgeois portant des bannières qui flottaient au vent. Les tailleurs avaient la leur. Elles représentaient des ciseaux tenus par des lions. Et les cordonniers aussi avaient la leur. Elles ne représentaient pas des bottes, mais un aigle à deux têtes. Car chez les cordonniers, tout va par deux pour faire la paire. Ça, c'était un livre d'images. Puis le vieux monsieur alla dans l'autre pièce chercher des confitures, des pommes et des noix.
C'était vraiment formidable d'être dans la vieille maison. « Je n'en peux plus !» dit le soldat de plomb que l'on avait mis sur la commode. « C'est d'un triste ici. On se sent affreusement seul. Quand on a connu la vie de famille, on ne peut pas s'y faire. Non, non, je n'en peux plus. La journée avance terriblement lentement et la soirée n'en finit pas. Ce n'est pas comme en face, chez toi, où ton père et ta mère bavardent gentiment ensemble. Et vous tous, les enfants, faites un joli tapage. Oh, Seigneur, que le vieillard est seul. Crois-tu que quelqu'un ira l'embrasser et aura pour lui un regard affectueux? Crois-tu qu'il aura droit à un arbre de Noël? Il n'aura rien du tout, oui. Rien qu'un enterrement. Je n'en peux plus. Tu prends les choses beaucoup trop au tragique, dit le petit garçon. Moi, je trouve qu'on est très bien ici. Puis, il y a tous les vieux souvenirs qui vous tiennent compagnie. Oui, eh bien moi, je n'en vois pas des vieux souvenirs. Je n'en connais pas. Je n'en peux plus. Il va pourtant falloir que tu t'y fasses. Et le vieux monsieur reparut, la mine toute réjouie, avec des confitures délicieuses, des pommes et des noix. Et le petit garçon ne pensa plus au soldat de plomb. Il rentra chez lui heureux et satisfait. Des jours et des semaines passaient. Il y eut échange de signes de tête en direction de la vieille maison, et depuis la vieille maison. Et puis, le petit garçon y retourna. Et les joueurs de clairons sculptés soufflèrent « Taratata ! Voilà le petit garçon ! Taratata !» Et les cuirasses des chevaliers des portraits bruissèrent, et les robes de soie des dames bruissèrent. La tapisserie en cuir de porc murmura, et les vieux fauteuils furent pris de rhumatisme dans le dos. C'était exactement comme la première fois. Car là-bas, les jours et les heures se suivaient et se ressemblaient. « Je n'en peux plus !» dit le soldat de plomb. « J'ai pleuré des larmes de plomb. C'est trop triste ici. Plutôt aller à la guerre et perdre bras et jambes. Cela ferait un changement au moins. Je n'en peux plus. Je sais maintenant ce que c'est que la compagnie des vieux souvenirs. » Mais qu'est-ce que ça rapporte? Les miens sont venus me tenir compagnie, et je peux te dire que ça n'a rien d'agréable. À la fin, j'étais prêt à me jeter du haut de la commode. Je vous voyais tous dans la maison d'en face. Je vous voyais aussi nettement que si vous aviez été là. Je me suis rappelé un de vos dimanches matins. Tu sais, où les enfants, vous étiez tous debout devant la table et chantiez votre cantique, celui que vous chantez tous les matins. Vous aviez les mains jointes, l'air recueilli, et votre père et votre mère aussi avaient un air grave. Et puis tout à coup, la porte s'est ouverte et on a vu entrer votre petite sœur Marie, qui n'a pas encore 2 ans et qui se met à danser dès qu'elle entend de la musique ou des chants, n'importe quel chant. Elle n'aurait pas dû se trouver là, bien sûr. Elle s'est mise à danser, mais sans parvenir à suivre la mesure, parce que les notes du cantique duraient beaucoup trop longtemps. Elle se tenait en équilibre sur une jambe, la tête penchée, et puis sur l'autre jambe, la tête penchée de l'autre côté. Mais cela n'allait pas. La petite ne pouvait pas tenir la jambe en l'air aussi longtemps qu'il aurait fallu. Vous aviez tous beaucoup de mal à garder votre sérieux, et moi j'étais tellement secoué de rire que je suis tombé de la table et puis me suis fait une bosse que j'ai encore. C'est normal, ce n'était pas bien de ma part de rire. Tout ça me revient maintenant et me hante, comme tout ce que j'ai vécu. Ce doit être cela, les vieux souvenirs qui vous tiennent compagnie. Dis-moi, est-ce que vous chantez encore le dimanche? Parle-moi un peu de la petite Marie. Et comment va mon camarade, l'autre soldat de plomb? Il doit être heureux, lui. Non, je n'en peux plus. Tu as été donné en cadeau. Tu dois rester ici, tu ne comprends pas cela? À ce moment, le vieux monsieur apporta un tiroir dans lequel il y avait beaucoup de choses à voir. Une boîte à craie en fer blanc, un coffret à engans, et de grandes vieilles cartes à tranches dorées comme on n'en fait plus. Et l'on ouvrit d'autres tiroirs, et l'on ouvrit le piano. Il y avait un paysage à l'intérieur du couvercle, et il était tout enroué quand le vieux monsieur en joua. Puis le vieux monsieur fredonna une chanson. La, la, la,
celle-là, elle la chantait. » dit-il en faisant un signe de tête au portrait qu'il avait acheté chez le brocanteur. Et une lueur claire brillait dans ses yeux. « Je n'en peux plus. Je veux partir à la guerre. Je veux partir à la guerre. » cria tout d'un coup le soldat de plomb, aussi fort qu'il put, en se précipitant sur le parquet. Ça alors, où était-il passé? Le vieux monsieur chercha, le petit garçon chercha. Disparu il était, et disparu il resta. « Je finirai bien par le trouver !» dit le vieux monsieur. Mais il ne le trouva jamais. Il y avait trop de trous et d'interstices entre les lames du plancher. Le soldat était tombé par une fente et il gisait quelque part tout au fond, comme dans une tombe. La journée passa et le petit garçon rentra chez lui. La semaine passa, puis d'autres semaines encore. Les vitres étaient maintenant toutes couvertes de givre. Le petit garçon devait souffler dessus pour dégager un petit espace par où regarder la vieille maison. Le vent avait chassé la neige qui s'était accumulée dans les volutes et les inscriptions. Elle recouvrait entièrement l'escalier, comme s'il n'y avait personne à l'intérieur de la vieille maison. Et, effectivement, il n'y avait personne. Le vieux monsieur était mort. Le soir, une voiture s'arrêta devant la maison et on le descendit dans son cercueil pour l'enterrer à la campagne. On l'emmena, mais personne ne suivit la voiture. Tous ses amis étaient morts, bien entendu. Et le petit garçon lui envoya un baiser du bout de ses doigts quand il partit. Quelques jours plus tard, il y eut une vente aux enchères dans la vieille maison. Et de sa fenêtre, le petit garçon vit emporter les vieux chevaliers et les vieilles dames, les pots de fleurs à grandes oreilles, les vieux fauteuils et les vieilles armoires. Une partie s'en alla ici, une autre là. Le portrait de la jeune dame qui avait été trouvé chez le brocanteur retourna chez le brocanteur, où il resta accroché car plus personne ne connaissait la dame, personne ne se souciait du vieux tableau. Au printemps, on détruisit la maison. Car c'était une horreur, disait-on. De la rue, on pouvait apercevoir l'intérieur de la pièce tapissée de cuir de porc que l'on arrachait par lambeaux. Et la verdure qui entourait le balcon restait accrochée çà et là aux moignons de poutre. Et on finit par tout déblayer. « Bon débarras !» dirent les maisons voisines. Et l'on construisit tout au fond une charmante maison, aux grandes baies vitrées et aux murs blancs et lisses. Mais sur le devant, là où s'était trouvée la vieille maison, on planta un petit jardin et l'on fit courir de la vigne vierge le long du mur du voisin. Devant le jardin, on installa une grande grille avec un portail de fer. Cela faisait cossu. Les gens s'arrêtaient et regardaient à l'intérieur. Et les moineaux se perchaient par vingtaines dans la vigne vierge, bavardant tous ensemble à qui mieux mieux. Mais ce n'était pas à propos de la vieille maison, ils ne pouvaient se souvenir d'elle. Tant d'années avaient passé. Le petit garçon avait grandi, il était devenu un homme capable, qui faisait la joie de ses parents. Et il venait de se marier et avait emménagé dans la maison que l'on venait de construire, avec sa petite femme. Et il se tenait à côté d'elle, dans le jardin, tandis qu'elle plantait une fleur des champs qu'elle trouvait adorable. Elle achevait de la planter de ses petites mains et tapotait la terre avec les doigts lorsque... Aïe ! Qu'est-ce que c'était ? Elle s'était piquée.
Quelque chose de pointu dépassait de la terre meuble. C'était, tenez-vous bien, le soldat de plomb, celui qui avait disparu chez le vieux monsieur. Il avait roulé et culbuté parmi les poutres et les gravats et avait fini par rester des années dans la terre. La jeune femme essuya le soldat, d'abord avec une feuille verte, puis avec son mouchoir fin qui sentait si bon. Et pour le soldat, ce fut comme s'il s'éveillait d'une longue torpeur. « Fais voir !» dit le jeune homme qui se mit à rire en hochant la tête. « Bien sûr, ça ne pourrait pas être lui, mais tout de même, il me rappelle un soldat de plomb que j'avais quand j'étais petit garçon. » Et il raconta à sa femme l'histoire de la vieille maison et du vieux monsieur. Et du soldat de plomb, qu'il lui avait fait porter parce qu'il était si terriblement seul. Et il raconta les choses exactement comme elles s'étaient passées. Si bien que la jeune femme avait les larmes aux yeux à cause de la vieille maison et du vieux monsieur. Après tout, dit-elle, il se peut très bien que ce soit le même soldat de plomb. Je veux le garder et me souvenir de tout ce que tu m'as raconté. Mais il faut que tu me montres la tombe du vieux monsieur. Je ne sais pas où elle est et personne ne le sait. Tous ses amis étaient morts. Personne ne s'en est occupé et moi, je n'étais qu'un petit garçon. Comme il a dû être terriblement seul, dit-elle. Terriblement seul, dit le soldat de plomb. Mais c'est tout de même agréable de ne pas être oublié. Agréable, cria quelque chose tout près. Mais personne, à part le soldat de plomb, ne vit que c'était un morceau de la tapisserie en cuir de porc. Elle avait perdu toute sa dorure et ressemblait à de la terre mouillée. Mais elle n'en pensait pas moins pour cela. Et elle dit « La dorure meurt, le cuir demeure. » Mais ça, le soldat de plomb n'y croyait pas trop.